Bonjour les loulous, voici une nouvelle vidéo pour travailler la phonologie. La phonologie, c'est pour mieux entendre les sons. Nous allons travailler sur les alphas consonnes. Hier, nous avons travaillé sur les alphas voyelles. Si tu te souviens bien de la vidéo d'hier, normalement, tu n'as pas besoin que je te rappelle les règles du jeu. Mais, puisque nous travaillons sur les alphas consonnes, la règle du jeu va un petit peu changer. D'abord, avant de jouer, il faut se souvenir du prénom des alpha consonnes. Bientôt, on les connaîtra suffisamment et on n'aura plus besoin de s'en souvenir. Regarde bien le cercle jaune, c'est là où je pointe mon doigt avec ma souris. Ici, comment s'appelle cet alpha? C'est la fusée. Lui, comment il s'appelle? C'est le nez. Lui, c'est le jet d'eau. Lui, c'est le robinet. Le vent. Le serpent. La limace. Le chat. Le monstre. Le zibulus. Bravo! Je vais t'expliquer les nouvelles règles du jeu qui ne changent pas beaucoup. Mais il faut quand même bien les comprendre. Et d'abord, il faut se souvenir de la petite histoire. La méchante sorcière Furiosa claque des doigts et fait apparaître une boîte. Elle emprisonne les alpha consonnes dans la boîte. La méchante. Elle s'envole, mais elle ne sait pas que tu as regardé et que tu as vu tout ce qu'il s'est passé. Ça y est, elle a disparu. Cosmopolux, le magicien, a une idée pour sauver les alpha consonnes. Il va dire une formule magique pour délivrer les alpha consonnes. Mais pour que l'alpha puisse sortir, il faut que tu saches qui c'est. Il faut que toi, tu l'appelles. Écoute bien la formule magique de Cosmopolux et dis-moi le nom de cet alpha. Écoute bien. Famille, fonce, facile, fête. Qui est-ce? Oui, c'est la fusée. Ça y est, elle est sortie, elle attend les autres alphas. Attention, Cosmopolux attend toujours ton aide. Écoute bien la formule magique. Chaton, chuchote, chanson, chassé. Qui est-ce? C'est le chat. Bravo. Nous l'avons délivré. Prochaine formule magique. Écoute bien. Siffle, sage, sort, sac. Qui est-ce? C'est le serpent. Bravo. Nous l'avons délivré. Prochaine formule. Long, lent, langue, libre, liberté. Qui est-ce? La limace. Bravo! Il nous reste encore des alphas dans la boîte. Écoute les formules magiques de Cosmopolux. Marionnette, magique, mange, mandarine, merci. Alors, qui est l'alpha qui t'appelle? C'est le monstre. Bravo, un autre alpha de sauver. Il nous en reste 5. Écoutons Cosmopolux. Vent, vibre, vol, va, vilain, voleur. Qui est-ce? C'est le vent. Bravo. Il nous en reste 4. Écoutons. Rivière, radeau, rescapé, revoir. Alors, qui est-ce? C'est le robinet qui ronchonne. Bravo. Plus que 3. On écoute. Je, joueur, joyeux, jeune,
Jaillir. C'est qui? C'est le jet d'eau. Bravo! Plus que deux alphas à sortir de la boîte. Non, nage, ni, nappe. Alors, qui est-ce? C'est le nez. Bravo! Et le dernier, vite, 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 on écoute. Zèbre, zozote, zig, zag, zo. Alors, c'est le zibulus. Bravo! Ah, la boîte est vide. Nous les avons tous sauvés. Ouh, Furiosa n'est pas contente. Cosmopolux la repousse et elle s'éloigne. Nous avons gagné. Bravo! Nous avons délivré tous les alpha consonnes. Nous allons nous retrouver dans une prochaine vidéo pour travailler la phonologie avec les alphas. En attendant, je te dis à bientôt et j'espère que cette vidéo t'a plu. Au revoir !